Heureusement, aujourd'hui, dans l'église, nous avons plusieurs personnes. Il y a tellement de dossiers. Si je disais ici, on va commencer à prier le Seigneur, vous allez entendre des dossiers. Seigneur Jésus, bénis-moi. Yahweh, moi j'ai besoin de la maison. Yahweh, moi mon capital. Yahweh, moi libère mon voyage. Yahweh, moi fais ceci. Yahweh, moi telle affaire. Yahweh, 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 Yahweh. Mais il sera difficile de trouver des gens de Psaume chapitre 42 qui diront: Seigneur, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. C'est toi que je veux, Yahweh. Je veux, je te veux. Tu me manques tellement beaucoup, Yahweh. Tu me manques tellement beaucoup, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Vous n'en trouverez plus, c'est devenu une denrée rare. La soif de Dieu a disparu. Le désir de Dieu, désirer même d'être en sa présence, ça a disparu. Savez-vous que beaucoup de personnes prient Dieu seulement quand ils sont dans un culte comme celui-ci? Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui n'ont même plus la vie de prière? Ils n'ont plus la vie d'intimité avec le Père. Ils vont prier Dieu quand il vient au culte jeudi et il priera quand il viendra au culte dimanche. Mais ils sont dans leur maison 24 heures sur 24. Ils ne prieront pas. Ils ne tiendront même pas sa Bible. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé Dieu dans vos vies. Les réseaux sociaux ont remplacé Dieu. Quand tu t'élèves le matin, directement tu es sur TikTok, tu commences à regarder quelles sont les nouvelles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a publié? Qu'est-ce qu'on m'annonce aujourd'hui? Quel est le scandale aujourd'hui qui est en train de faire fureur? Tu es sur Facebook, tu es sur TikTok, tu es, je ne sais pas, sur WhatsApp, tu es, je ne sais pas, sur Instagram. Il y en a tellement beaucoup. Et les gens ont perdu cette soif de Dieu de dire: lorsque je me lève le matin, je ne prie pas seulement pour dire: Seigneur, protège-moi, mais j'ai besoin de me ressourcer auprès de lui. Yahweh, où es-tu, toi, le Dieu de la Bible? Marche avec moi, marche avec moi.